Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller visiter une maison de quelqu'un qui a décoré entièrement pour Noël. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pris avec la voiture, on a roulé un petit peu sur la neige. Alors moi je suis pas confiant, à la base j'ai toujours l'impression que je vais m'ensevelir et que je ne pourrai plus jamais sortir. Mais c'est passé tranquillement, du coup on va y aller. À la base je crois que c'est 16$, mais là dimanche c'est 8$, du coup on a dit qu'on avait profité. Ça va pas durer très très longtemps normalement la vidéo, c'est chez quelqu'un, donc c'est pas un terrain de 2 hectares. Mais bon voilà, je me suis dit que ça ferait une petite vidéo cool à vous montrer. Du coup let's go. Bon voilà les gars, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc là tu vas payer vers là et puis tout ça. Donc il y a pas mal de thèmes, je crois que le 29 décembre, de toute façon on y reviendra. Parce qu'il y a un truc, thème Grinch. Vous me voyez pas beaucoup, il fait noir, je suis désolé. Mais du coup c'est plutôt cool. Là en ce moment il fait je crois moins 7, ressenti moins 14. J'ai envie de décéder, je vais pas vous mentir. Du coup je vous montre ça, let's do it. Donc vous voyez, nous on reviendra certainement là les gars. Le Grinch c'est la famille. Du coup, voilà un petit peu les dates, les trucs comme ça. Là en ce moment, dans votre billet, chasse au lutin. Enfin, il y a plein de trucs à faire, chocolat et café glacé. Bref, on y va. Let's go. Bon, du coup ça y est, on est rentré. Regardez un peu à quoi ça ressemble. On peut laisser faire. On est pas joué. Donc attendez, je vous montre rapidement. Il y a une chasse aux lutins, donc tu as un papier avec plein de lutins. Donc il faut que tu notifies les noms des lutins que tu trouves. Et en gros, c'est un jeu concours que tu mets dans la boîte et à la fin, tu peux être sélectionné, etc. Du coup, tu as chocolat aussi, chocolat chaud, café chaud, etc. offert. Et puis du coup, voilà. Bon, ça va vraiment être une toute petite vidéo parce que c'est chez les gens. Les gens, en fait, ils recyclent d'anciens trucs ou... Comment on appelle ça? D'anciennes décorations que les gens n'utilisent plus, etc. Et qu'ils en font leur parc. Donc voilà. Bref, je vous montre. Ça va être une vidéo pas très très longue. Mais voilà, let's go. Tout ça, les gars, c'est fait par les personnes. Tout est fait eux-mêmes. Donc en gros, ils mettent 2 mois, je crois, c'est ce qu'ils ont dit, à faire leur décoration de Noël. Et ça, c'est le terrain de chez les gens. C'est incroyable. Vous voyez tous ces trucs-là un petit peu motorisés, etc. Tout ça, c'est eux qui le font. C'est incroyable. Regardez-moi cette maison du Grinch. Elle est incroyable. Même là-haut, ils ont une petite étoile. C'est incroyable. Il fait trop froid, les gars. Je suis désolé si vous entendez le vent et tout. C'est vraiment stylé. Hein. Vous avez vu peut-être un short de Illumi. C'est un endroit un peu pareil, sauf que c'est vraiment à Montréal et c'est beaucoup plus professionnel. Tu vois, ils font vraiment ça pour Noël. Là, c'est vraiment chez les gens. C'est incroyable que les gens ils prennent du temps pour faire ça. C'est vraiment incroyable. Regardez le Grinch, les gars. Il est incroyable. Dites-moi en commentaire, les gars. On est d'accord que le Grinch, ce film, il est incroyable. Dites-moi dans les commentaires parce que j'adore le Grinch. Franchement, c'est légendaire. Bref, on y va. Avec la maison du Grinch, les gars. Bon, à la base, comme je vous ai dit, il y a des lutins à chercher. Ça fait déjà 5 minutes qu'on marche, on en a vu 0. Je pense qu'on est les pires personnes du parc. Ouais. C'est stylé de fou quand même. Tout ça, c'est fait. Enfin, après, bien sûr, ils ont peut-être pris ça de base. Mais c'est incroyable. Les mecs, on a réussi à trouver un lutin. Grelot. Regardez-le, lui, là-bas. Mon Dieu, on en a quand même eu un. On sera pas les pires personnes du monde. J'ai trop froid, je vous jure qu'il fait trop trop froid. Bon là-bas, il y a une musique d'horreur, je sais pas pourquoi. On dirait on est Halloween. Ici, t'as une petite crèche, les gars. Franchement, c'est vraiment très beau. Ils ont assuré. Hein. Et tout ça, je répète, c'est dans leur champ de maïs. Hein. C'est incroyable. Ils ont fait ça dans leur champ de maïs. Regardez, derrière, là, c'est un champ de maïs de base. J'ai envie de décéder, je vous jure les gars, je vous mens pas. J'ai envie de mourir. Oh, il y a un autre nain. Ah, attendez, il y a un autre nain. Il s'appelle Tartouille. Farfouille. Farfouille. Bien joué, Farfouille. On t'a eu. C'est beau, ouais. C'est beau. Ah, et ici, c'est la Reine des Neiges, les gars. Avec Olaf. Olaf le bro. Olaf le bro. Oh, elles font flipper. Les meufs là. Y'a un nain. Je vois plus comment il s'appelle.
Bouffon ? Je crois qu'il s'appelle Bouffon de Nain, les gars. Oh. Ouais, il s'appelle Bouffon. Oh, il s'appelle Bouffon. Eh, mais c'est incroyable, hein. C'est super bien fait. Oh, c'est la... Comment s'appelle, elle ? Avec les nains, là. Blanche-Neige. Il y a même... Comment il s'appelle Dingo, lui, non ? Je sais plus. Non, lui, en haut, là. Ah oui, Dingo. Dingo, on connaît. Oh, Mickey et Minnie. Oh, stylé, j'aime bien la petite nymphe. Oh, il y a... comment il s'appelle, lui, aussi ? Je sais plus. Dembo. C'est beau. Bon, il est un peu malade, le Dembo, les gars, mais je vous jure qu'il est là, quoi. C'est beau. Et ça, c'est chez les gens, les gars. Ça, les gens, ils habitent ici. Bon, du coup, les gars, on se réchauffe un peu. Il fait trop froid, je vous jure. Dites-vous que ma batterie elle a tenu littéralement 10 minutes. Et puis après, batterie faible. Le froid l'a tué en fait. Du coup, là, on a un endroit où on peut prendre chocolat chaud, café chaud gratos. Du coup, on se réchauffe un peu, après, on y retourne. Let's go. Les gars, il y a un petit lutin ici. Allez, c'est reparti dans le froid. Oh, c'est des Yeti. Ok. Alors ici, je sais pas c'est quoi, mais je pense que tu rentres pas dedans. Ah, à la base, il y a un feu ici, normalement, je pense. À la base, ils mettent un feu, je pense, un truc. Oh, regardez, c'est Bob l'éponge. J'adore. Oui, c'est Bob l'éponge. Ah, chou. Il y a un lutin chou. Et il y a Nemo. Rodolphe, oh, nez rouge. Ah oui, tonnerre, danseur, furie, fringant, comète. Ah mais c'est vraiment eux en plus. Ah oui, il y a pépite, éclair, tornade, cupidon. Et du coup c'est Rudolphe, non? Pam, Rudolphe au nez rouge, regardez-le. Incroyable aussi. Et il y a un petit nain pépite. Bon, à la base les gars, en plein milieu de la semaine et de jour, tu peux rentrer dedans et visiter. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, la maison des gens, mais tu peux rentrer visiter. Donc il y a des décorations et tout. Sauf que là il est tard et ainsi de suite quoi. Donc voilà un petit peu. Là t'as des jeux pour enfants. Et il doit avoir certainement un elfe ou un truc comme ça, regardez ici, non? Ah oui, 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 on l'avait pas vu, le petit lutin ici là, enfin le petit truc là. Ouais, c'est Sautille. Bien joué, vous avez presque failli nous avoir. Joyeuse fête, merci. Oh les gars, un petit lutin ici encore, bonbon. Putain, il nous en manque un seul, c'est ça? Oh mon dieu, on n'a pas le droit de partir sans le dernier truc ici. Du coup, vous pouvez, en gros, tous les trucs là, la feuille où il y a tous les lutins, etc., etc. Bah ici, tu peux mettre et puis potentiellement gagner le concours. Donc voilà, en gros, c'est un peu le truc du Père Noël, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, regardez, vous voyez un peu les règles, ils sont ici en fait. Tu vois, chasse aux lutins, 10 lutins identifiés et il faut que tu trouves les noms, quoi. Mettez sur pause si vous voulez lire. J'ai la flemme de rester, j'ai froid, ok. Et là, de base, les gars, il y a un monsieur qui fait le Père Noël et puis c'est la rencontre avec le Père... Ah, mais non, mais il est là, le Père Noël, en fait. Ok. Tout simplement, la rencontre avec... avec Michel. Bon, les gars, voilà. Terminé. Vidéo terminée. Il y avait 10 lutins à trouver. On en a trouvé que 9. Mais il fait vraiment trop froid. Je crois qu'on a ressenti moins 16. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à bouger mes lèvres. J'ai trop froid, j'ai envie de décéder. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Elle doit pas durer très très longtemps. Mais voilà. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le like, de vous abonner, de partager ma chaîne, etc. etc. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao!